Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le 49e épisode de notre Let's Play sur Zelda Tears of the Kingdom. Nous sommes actuellement et toujours dans le désert Gerudo où nous allons essayer d'éradiquer les racines du mal présentes dans les lieux, à savoir les Ghibdos, hein. Les Ghibdos sont ces fameuses momies d'Ocarina of Time ou de Majora's Mask notamment. Mais là, je trouve qu'elles sont beaucoup plus stylées représentées comme ça. Ça les rend beaucoup plus vivantes que qu'avant. En même temps, le jeu là est beaucoup plus récent, mais c'est franchement pas mal. Et donc du coup, nous sommes ici et nous avons dû résoudre une énigme où il fallait faire rejoindre ces petits vaisseaux de lumière hein, qu'on peut constater juste ici. Et au bout du compte, ça a fait apparaître oui, un petit monument qui, je pense, va faire apparaître quelque chose hein, aussi. Enfin, on va voir ça. Ah, punaise. Alors, mais tant ça fonctionne pas. Rejoindre le centre. Hein. Là, je suis pas vraiment au centre. Hein. Je suis clairement en train de mourir. Hein. C'est pas grave. Voilà. Il y a encore Zelda. Je sais pas, est-ce que tu veux que ça va faire apparaître un temple? Pierre de foudre apparaîtra et vous conduira le chemin. Je devrais. Bah, c'est moi qui viens de la frapper, mais. Ah.
Qu'est-ce que je lui fais? Ça, c'est ce qu'on voit dans le trailer. Et un nid à guildo juste devant. Ouais, on va essayer de gagner du temps. Après, je me protégerai contre le chaud, mais pour l'instant, il faut gagner du temps. Temple de la foudre. C'est le quatrième et dernier donjon du jeu, ça? Enfin, si on compte pas le château d'Hyrule, bien sûr, mais ça, c'est autre chose. Voilà, je m'attends au pire avec ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Oula! Qu'est-ce que c'est que ce monstre? Reine Guildo. Ah, c'est leur boss. Leur chef. Tu as vu Link? Elle fait lever la brume de sable. C'est donc elle qui persécute mon peuple. Oui. Avec moi, Link, nous devons la battre. C'est elle qui commande les Guildo. On n'a pas tiré. Mais pourquoi j'arrive pas à tirer? J'ai tenté de tirer. Ça n'a pas marché. Oh non. Il y a un bug. Il y a quelque chose qui bug. Il y a un truc étrange avec la foudre. J'ai l'impression que... Ah oui, c'est parce qu'en fait, il lui faut du temps pour charger. Qu'est-ce que c'est que ça? J'essaie de comprendre à chaque fois, hein, la mécanique du jeu. Voilà. Changer de couleur? Ça voudrait dire qu'elle fonctionne comme l'équipe d'eau? Elle a l'air affaiblie. Nos attaques devraient fonctionner à présent. Bijou! Je ne vois que du sable. Où est-elle bien plus cachée? Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui marche pas.
que oui, non, je pensais qu'elle ne me tirait pas dessus quand elle était éloignée. Et d'un coup, elle bouge. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Je comprends pas son mode d'attaque là. J'essaie de comprendre. Hein. C'est pas simple, j'essaie de comprendre. Ah, c'est ça. Ah, putain. Putain, j'arrive plus à courir. Ah, c'est quoi ce monstre? Elle a changé de couleur? Ça voudrait dire qu'elle fonctionne comme l'équipe d'eau? Elle a l'air affaiblie. Nos attaques devraient fonctionner à présent. Ah, je ne vois que du sable. Regarde ce que c'est caché. Oh oh. Je comprends pas comment ça marche. Hein. C'est très compliqué à comprendre. Alors, en gros, il y a des tornades, d'accord. C'est fun! Allons-y! Écarte-toi! Ah, c'est ma faute. C'est ma faute. En fait, je sais pas si elle peut prendre. Si, elle peut prendre. Je combat hyper mal, mais... Alors, attends. On va prendre ça. Oh, mais... Mais pourquoi? Et ce qui m'agace, c'est que ça... Allons-y. Qu'est-ce que tu veux? T'es où, Rizzo? Je suis pas doué, hein. Je comprends pas le combat, hein. Le combat est très bizarre. Je comprends pas. Qu'est-ce que c'est que ce combat bizarre? J'ai... Ça va pas, ça va pas. Faut battre en retraite. J'ai pas de... Ça va pas de combattre comme ça. J'ai compris comment, à peu près comment me défendre. Désolé, je suis obligé de battre en retraite là. Bon ben déjà, se récupérer les restes d'attaque de cœur qu'on peut avoir.
maintenant. Ça c'est fait. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Hein? Ah mais d'accord, mais... Désolé pour cette perte de temps. Mais j'ai compris, j'ai compris. Elle est juste extrêmement forte. Sous-estimée. Mais c'est, je m'attendais à, par rapport à la taille, mais j'avoue, un peu plus gros. Alors. Oh. Bon, il n'y a pas de... Une statue. Bah oui, forcément. Encore fallait trouver. Allez, des statues muettes. Des flèches.
C'est quoi ça? Oh. Ah, Zach. Oh. Ah, c'est ultra cher, hein, putain. On peut juste le... Ah, mais vous avez rien. Pourquoi vous vendez pas de flèches? C'est une solution. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ça va... Oh! Il est nulle part, sans ruiner en pêche ou quoi? Ah, c'est moi qui sais pas où aller. Oh.
Ils sont mis perdre dans leur... ça.
Bon. Cette fois-ci. C'est pas anti-chaleur là. C'est lui. Après tout ça, on va pouvoir s'arrêter pour cette vidéo. Et la prochaine fois, eh bien, on retourne affronter l'arène Gimdo. Voilà, une bonne fois pour toutes avec notre ami Rijou. Merci beaucoup donc de m'avoir suivi pour cette